Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de RimWorld. Alors on est toujours dans notre base qui, vous vous souvenez, est en cours de reconstruction. Je sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé dans le dernier épisode, mais c'était assez terrible, c'est parti en cacahuète. Notamment, ça y est, on a fini de reconstruire, mais tout ça, ça avait explosé. Donc on a reconstruit ça, et ici j'ai envie de stocker des armes. Vous vous souvenez que j'avais mentionné que j'allais le construire là, et puis en fait là c'est pas du tout adapté, donc on va plutôt le mettre là. Donc vous voyez, voir morceau, non, cadavre, ah non, alors tout effacé, et je veux uniquement armes, voilà, paf, toutes les armes vont là, et je le veux en priorité critique, et ici on va enlever les armes, boum. Et vous savez quoi, ça pourrait être intéressant de faire la même chose pour les vêtements. Alors je sais pas exactement où on pourrait le faire. Après tout, je sais pas si je peux peut-être profiter un peu de cet espace-là, parce qu'en vrai, moi j'avais mis de la place pour mettre des activités pour eux ici, sauf que les activités, ils les font dans nos espaces à nous. Donc en soi, on peut aussi faire l'inverse. Là, mettre une armurerie ici, et ici mettre des activités. Donc bon, à voir. De toute façon, je suis pas particulièrement pressé. Ouais, Daishi, tu es bien toi? Ah ouais, il est pas mal Daishi, tiens. Oh cool. Alors, qu'est-ce qui reste dans ma liste de tipeurs? Il y a pas mal de gens encore. On va te nommer Alexandros. Bienvenue parmi nous, Alexandros. Donc si jamais, encore une fois, vous voulez faire partie du jeu, ou même d'un autre jeu, il y a genre Cities Skylines, où je vais commencer à nommer les quartiers sont les tipeurs et des choses comme ça. Donc voilà, c'est aussi juste un bon moyen pour me soutenir si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire, parce que vous savez que YouTube, c'est pas horrible, hein, mais c'est pas ça qui permet de vivre. Hein. C'est tout ce qui est à côté, c'est les tips, le sponsoring, etc. Donc voilà, d'ailleurs si le sponsoring ça vous dit, vous aurez peut-être bientôt le moyen de le faire, mais ça je vais le teaser au fur et à mesure de vidéo, mais a priori à partir de la semaine prochaine quelque chose va se passer. Alors, dans cet épisode on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est la killbox, elle est pas mauvaise je trouve, mais ça c'est pas forcément super bien pensé en fait. Ça je pense qu'on va plutôt... Voilà, le bouger ici, hop, non, c'est ça, ici, tac, voilà. Et ça, parce que le problème, c'est que moi, je voulais mettre des tourelles là, sauf que eux, ils se cachent derrière. Donc ça, on va l'enlever, et ça, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire avec. Est-ce que ça voudrait... Bah, bon, déjà, en vrai, première chose, ça vaut clairement le coup de fermer ça. Ça n'a aucun intérêt de ne pas le fermer, en fait. Ça, j'aimerais bien que... Réarmement est automatique, très bien. Ouais, mais ça se fait pas. Eh. Donc là, ça fait quelques trucs en moins. Là, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir l'enlever. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le mettre... typiquement, tu vois, on pourrait en mettre un genre là, comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un est ici, il peut tirer, mais il ne se prend pas des coups. Donc ça peut être intéressant quand même. Ouais, ça peut être intéressant de le réinstaller, disons, là. Toi, on va te réinstaller là, du coup. Qu'est-ce qui bosse, là? Ah oui. Ah oui, c'est... Ah, cool, il s'en occupe enfin de ça. Ça, c'est bien. Et pour le reste, cela, je sais pas encore. Je peux le mettre là pour continuer à les ralentir. Ça peut être assez intéressant. Et le truc que j'ai envie de faire, par contre, c'est les murs en calcaire, je vais les doubler partout, y compris au niveau de la base, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas fait jusqu'à maintenant, et j'aurais dû. Oui, je l'admets, c'est quelque chose que j'aurais dû faire, mais bon, c'était plus facile à dire qu'à faire, parce qu'au final, je pensais pas vraiment que j'en aurais besoin, pas à ce point-là, en tout cas, mais vraiment, de m'être fait attaquer comme un malpropre, ça m'a un peu remis les idées en place. Et une autre chose, c'est que la ventilation que j'avais ici, petit changement par rapport à avant, je vais uniquement la placer vers l'intérieur. Vous voyez que là, du coup, elle est placée vers une de mes cours intérieures, ici aussi. Et là, je vais faire pareil. J'attends qu'il casse là, mais je vais mettre de la ventilation ici. Si jamais il y en a besoin de remettre là, j'en mettrai là, etc. J'en mets plus à l'extérieur, quoi. C'est trop risqué. Beaucoup trop risqué. Grimfield, évidemment, qui se jette toujours sur le minage. Lui, il est
tellement efficace, c'est assez stylé. T'as combien en aptitude de minage? 15. Ouais, c'est un malade. Mais en tout cas, là, on est à quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On n'a jamais... Ça, on peut... On n'a jamais perdu qui que ce soit. Même si, bon, c'est parce qu'on a triché aussi, je sais bien. Alors, on va emmener quelques personnes pour tirer. Voilà, on va juste amener 4 personnes. Hop. Voilà. Quelques personnes pour tirer dessus parce que voilà, c'est trop risqué, sinon visiblement il va casser, il va tuer toute la végétation. Oh what? Oh damn! Ça, c'était pas du tout prévu. Ça, c'est fâcheux, venez voir. Ok, on va bouger tout le monde. Oh là là! Putain, ça se passe jamais bien avec moi. Mais du coup, je vais en ramener d'autres, non? Tiens, Greenfield, tu vas aller là. Amy, tu vas aller là. Et Bad Wolf, tu vas venir aussi. Alexandros, t'es bon en combat? Surtout en mêlée. Ouais, mais je j'ai pas vraiment besoin d'encore un autre mec en mêlée, même s'il est vraiment beaucoup mieux en mêlée. Ouais, surtout, j'ai pas beaucoup d'autres armes qui sont bien à distance. Bah, ou alors, ah si, carrément. Je vais le faire tout ce qui est balles incendiaires et tout. Donc, bah, ok, eux ils viennent. Toubi, pourquoi tu tires pas? Hors de portée. Ah oui, t'es. Ouais, d'accord. Surveille les cibles. Ah, mais non, non, tu vas tirer sur les cibles. Tirer sur Faucheur. Et toi, du coup, on va te rapprocher par ici. Non, tu... Oh non, Toubi! Non! Bon, en vrai, c'est une catastrophe là. Ils sont arrivés les autres, non? Oh, il y en a un qui est à terre, super. Hors de portée. Oh, super, on en a tué un autre. Bon, toi, tu vas devoir être hors de couverture. XCOM m'a appris qu'il ne fallait pas faire ça, mais bon. Tiens sûr. Faye, c'est qui Faye? C'est qui Faye? Battu à mort, mais qu'est-ce que ça fout? Hein? Mais t'es sérieux, ils sont. Oh là là, j'ai mes animaux qui se battent en plus. Génial. Toi, tu surveilles les cibles, toi, tu surveilles aussi. Non! Non! Oh! Putain, les faucheurs, c'est des malades! Non, tartine! Oh, je suis dégoûté, tiens. Oh, je suis tellement dégoûté. Ah, Bill, vas-y, rentre. Putain, non! Alors, ceci dit, ça veut dire que... Oh, mais non! Non, je suis dégoûté! J'en parlais avec elle tout à l'heure, en plus, en disant, ouais, je pense que je vais pas trop tarder à finir la série, parce que globalement, on a... C'est quoi la différence? Enfin, on commence à faire le tour, et elle me dit, ah, au début, que je lui dis, c'est parce qu'on a bientôt fini de faire le tour, elle me dit, ah, c'est parce qu'on... Ça y est, on va tous mourir et tout. Je fais, mais non, mais pas du tout. Je lui ferais bien un sarcophage pour Tartine. Alors, je sais pas du tout comment ça marche. Est-ce qu'un sarcophage, c'est ce qu'il faut pour... ou c'est juste une tombe? Je vais mettre juste deux sarcophages. Genre, je peux les mettre en intérieur. Je vais faire une pièce. Là, genre là, il y a de la. Ouais, mais non, pas dans la salle à manger, le mec. Ah bah là, j'ai de la place. Pourquoi pas? Ouais, écoutez, j'ai de la place. C'est bizarre. Ah non, non, là, c'est parfait, là. Tiens, on va faire ça ici. Sarcophage. Ah, mais c'est pour ça, Vert, en fait, il est en train de tuer tout le monde parce qu'il est foudrage. Très bien. Eh ben, écoute, on va attaquer Vert au corps à corps. Quoique, non, tu sais quoi, tire-lui dessus. Ouais, non. Ok.
corps à corps parce qu'il est en train de tuer tous mes autres animaux en fait. Ah oui, et notamment genre Flory Dark, c'est comme ça qu'il s'est fait niquer. Ok, très bien. Non, non, bah non, non, attends, secourir Flory Dark. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. On va attaquer vers. Mais c'est un malade! Évidemment, le sarcophage en bois est horrible. Bon, bah écoute, on va l'affecter à Tartine. Et Bill, c'est toi qui vas t'en occuper quand même. What? Pourquoi? Ah oui. Non, c'est pas interdit. Bon, eh ben, on va enterrer Tartine. Oh, oh, ça me fait tellement mal. Vous avez pas idée, hein. Et Snow, je sais pas si les tombes ont été creusées. Non, je n'ai pas l'impression. Gamefield, tu vas t'occuper de ça. Donc, pour qu'est-ce que j'ai fait? En bon mégalo que je suis, j'ai mis deux tombes, une pour Tartine et une pour moi. Si jamais moi je meurs, hein, j'en sais rien. Mais en papa et maman de la colonie. Oh non! Oh, je suis un peu sous le choc là quand même. Hein. Enfin, je sais pas, ça a été tellement soudain, j'ai pas eu le temps de. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah, mais il est sérieux le mec? Il s'entraîne avec son lance bazooka quoi. Mais non, 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 mais ça suffit. Snow, mais. Non, mais. J'aurais peut-être pas dû lui donner cette arme. Bon, on verra. Au revoir, Tartine. Alors, Bill, par contre, il doit aller tellement mal. Besoin. Ma femme est morte. Moins 20. Wow. Vu mourir un allié en plus. Ouais. Combat le feu. Ouais, bah alors, non, toi, non, toi, tu vas aller faire autre chose. Voilà. Beaucoup trop dangereux pour que tu t'entraînes, toi. En vrai, je devrais peut-être pas lui donner parce que si jamais. Enfin, il va tuer quelqu'un, quoi. Allez, on va secourir l'écureuil. Non, quoique. C'est quoi? Il n'y a pas d'intérêt. Lâche l'écureuil et tue-le. Ouais, transporte l'écureuil. Et Bill, tu veux pas aller, genre, te coucher, en fait? Ah non, tu veux bouffer avant. Parce que tout le monde va mal, mais personne n'est allé se coucher. Ah, si Snow, enfin, va se coucher. Ah, et après, tous les lits sont pris. D'accord. Très bien. Vivien, c'est bon, il est allé se coucher, très bien. Et toujours pas cette. Ah, si, la tombe, c'est moi, bon, elle est. Hein? Quoi? Mais d'où elle contient déjà quelqu'un? Je comprends pas. C'est qui Zebo Cook? What? Attendez, mais je comprends pas. Ouvre la tombe, je sais que c'est horrible, hein, mais je sais pas qui c'est. Zebo. Un colon a besoin d'aide. Bill, ah bah d'accord, génial. Gildas va secourir Bill. Bon, par contre, vraiment, ça me fait trop bugger ça. Mais what? D'accord, je ne sais pas qui c'est en fait. Donc, non, ça c'est la tombe de Tooby. Donc, hop, Grimfield. Non, ouais, si. Grimfield, tu peux aller enterrer Tooby. Oh, waouh, ça a été un sacré début d'épisode, hein. Waouh. Heureusement que j'ai Bad Wolf et Alexandros qui nous ont rejoints il y a peu. Mais après, par contre, au niveau. Ah non, la cuisine! Oh, la cuisine sans tartine Bah, déjà, Snow, ça devient ta priorité. Et toi aussi. Ah non, toi, ouais, il me faudra un chef. Ah, mais d'ailleurs, attends, j'ai pas fait Bad Wolf. Bad Wolf, t'es. Non, t'es pas bon. Non, pas en cuisine en tout cas. Et quelqu'un a encore pris de la smoke leaf. Ah, ça c'est mal foutu. Même les gens qui sont malades se lèvent parce que c'est une plus haute priorité. Ouais, je comprends pour. Enfin, ouais, c'est foireux parce que du coup, ils se disent, oh, pompier, c'est important. Mais bon, après, c'est vraiment des patients. Faut qu'ils dorment, quoi. Il faut qu'ils se reposent. Là, globalement, tout le monde va mal. Si jamais là, tout de suite, je me prends une attaque, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Hop. Sur une copie, on va monter ça jusque-là. Et je me demande si je vais pas faire une troisième couche à terme.
Parce que, après tout, rien ne m'en empêche, ça ferait peut-être du bien. Et d'ailleurs, ici, c'est assez important que je fasse rapidement une deuxième couche pour éviter de perdre trop de chaleur ici. Oh, ça me fait. Ouais, tiens, sinon, il y a Alexandros qui est en train de casser ça à coup de son énorme truc. C'est parfait. Parce que sinon, ouais, on voit que ça. C'est quoi, gravier? Ah ouais, ça a transformé la terre en gravier. Ah oui! Ah oui, donc heureusement que je l'ai fait, que je le casse rapidement parce que ça, c'est quelque chose qui non seulement enfin détruit les plantes, mais empêche qu'il y en ait d'autres par la suite. Donc c'est pas terrible. Sinon, pour le reste, bon bah ça s'organise. Là, du coup, on a notre sarcophage. Hauteur, Bill. Ouais. Animal fou. Ah bah oui, mais on avait besoin de ça, parfait. Oh là là, le malade! Très bien, Alexandros, ça, tu. Oui. Alors, il est peut-être pas très bon, mais alors qu'est-ce qu'il est dangereux avec cette arme? N'importe quoi. Aptitude 3. Ah oui, d'accord. Ah oui, il est vraiment mauvais en fait. Je l'ai donné à mon pire. Bon, bref. C'est pas très grave. Ça, c'est quasiment fini. On récupère le fusil à pompe de 2B. Incapable de marcher. Bon, globalement, ça y est. On commence à remonter la pente. Mais alors, ce truc-là, c'est une horreur. Bon, c'est terminé au moins. Oh, ça c'est cool, on a vraiment récupéré des trucs bien. Bon, au moins, voilà, donc niveau métal, on est bon. Ah oui, et quelqu'un a une idée excellente qui est si je peux aller dans une zone et récupérer des petits trucs ici et là, est-ce que ça veut dire que je peux le faire genre là? Parce qu'en soi, c'est juste à côté, ça me prend pas longtemps, je vais là-bas, je récupère, je mine un petit peu de métal et je reviens. Ça peut carrément valoir le coup. Donc faudrait que je teste, je sais pas si je peux le faire ou si je peux aller que vers des lieux, des vrais lieux, quoi. J'ai plus assez de courant, t'es sérieux? Pourtant. Oh, je suis très surpris de plus avoir assez de courant. Ah, ça c'est pas relié. Donc ça c'est. Ok, c'est peut-être entre autres à cause de ça, mais après ceci dit, je suis quand même limite quoi. Est-ce que j'ai un autre. La géothermie, vraiment, j'aime beaucoup. Mais on n'a plus. Ouais, on a un là, c'est loin quoi. Je pourrais faire un fil qui va là et tout, mais je suis pas sûr que ça vaille le coup. Peut-être plus des panneaux solaires, genre je peux me faire une ligne de panneaux solaires là par exemple. Ça peut être assez intéressant de faire ça. Oh, mais j'y pense! J'avais ça, c'est vrai, j'avais mon scanner géologique. Ah, mais c'est pour ça que j'ai plus d'énergie d'ailleurs. Du coup, pour ça, il me semble qu'il fallait que je fasse le forage en profondeur. Qui. J'ai pas assez de ressources de métal. Alors, je sais pas exactement comment ça marche. Je vais me dire que c'est comme ça. Peut-être que c'est comme ça du coup. Ça, on va l'annuler. Donc, si j'ai ça, donc il me faut trois composants sans d'acier. L'acier, je me fais pas trop d'inquiétude. Je vais le récupérer grâce à tout ça. Bah d'ailleurs, je dois avoir assez. C'est sans d'acier, oui, j'ai largement assez. Mais juste, ouais, il me faut plus d'électricité et ça, panneau solaire quoi. Et les panneaux solaires, devinez quoi? Ça demande du fer aussi. Ah, c'est embêtant. Alors, bim, on a notre forage en profondeur. Comment ça marche? Bilan de production. Ressources en dessous, c'est de l'acier. Très bien. Bon, bah, on va bien voir comment ça marche. Ouais, il y a vraiment. Ah, ouais, du coup, il y a vraiment, vraiment pas assez d'électricité. Oula. Je sais pas si ça vaut le coup de mettre un générateur là et de l'entourer d'un mur pour le protéger. Je pense que ça. Ouais, mais ça a demandé même tellement de fil que. Ça peut être beaucoup plus intéressant de simplement mettre des éoliennes, mettre des panneaux solaires. Ça produit combien ça? Ça produit déjà pas toute la journée, c'est ça le problème aussi. Mais en électricité, de toute façon. Générateur combustible, non. Panneau solaire, donc c'est quoi? C'est. Alors attendez, on va regarder, ça génère combien? Nanana. Ça dit pas. Très bien. Parfait. Oh! Oh, c'est pas mal. D'accord, regardez comment ça marche en fait. Donc, ça, à chaque fois que ça mine un bloc, ça me récupère 75. Et donc, ça peut miner cela. Donc, a priori, quand j'aurai pris celui-là, je pourrais le déplacer là, etc. etc. Ok, donc je pense que ça vaut le coup. On verra bien de toute façon. Mais non, je pense que ça peut être très cool. Par ailleurs, donc, j'ai d'autres panneaux solaires. On va en avoir 3 à terme. Ça va être mieux, ça va être bien. Ah mais ça c'est toujours pas fait. Non mais attendez là les gars, vous vous foutez de ma gueule. Non 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 non. Apportez-moi ces plans parce que c'est ridicule.
Et recherche. Non, non, d'abord tu vas me les construire. C'est pas possible ça. Et on est d'accord que le troisième, il est bon. Ok, là, normalement, on va récupérer à nouveau un petit excédent, je pense. On verra comment ça va se passer. Fairway qui recherche, cool. Planque. Non, pas de planque pour l'instant, on est bon. Quoi que... Waouh! Ouais, faut qu'on fasse un poil gaffe à ça. Alors, au moins, a priori, maintenant, on a beaucoup de choses à vendre. Ah, par contre, pas beaucoup d'argent. Donc, est-ce qu'on peut acheter des choses intéressantes? C'est quoi du Luciferum? Corps à tous les égards. Ouais, c'est une dose, quoi. Mécanite. Ouais, on va... Non, bah non, du coup, d'accord. Donc, il y a deux pilules, et si jamais quelqu'un n'en a pas, il va mourir. Donc, on va éviter. Hein. On va éviter. Par contre, on peut leur acheter... Bon, ah, des rations de survie, ça peut être intéressant si on veut aller explorer des zones à côté. Et puis on va pouvoir leur vendre plein de genre, voilà, des armes bâclées, des choses comme ça. Oh, il y a moyen de s'en tirer avec un bon petit pactole, là. Voilà, super. Donc on a fait pile 224 en vendant pas mal de tissus et choses comme ça. On a pu revendre notre smoke leaf, donc ça y est, on va plus avoir des gens qui se droguent. Si vous voyez que ça y est, j'ai commencé à aménager ça pour que ce soit un peu joli. Maintenant, il faut que je décide ce que je mets là. Je suis assez tenté de mettre genre du carrelage ou des choses comme ça peut être... C'est moche, mais en même temps, j'ai... Quoique si, j'ai assez de tissu pour ça, si je veux, en vrai. Par contre, du bois, pas vraiment. Du sol pavé, je pourrais, mais ça demande de l'acier. Et l'acier, en ce moment, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un peu serré. D'ailleurs, ça, je peux le réinstaller et je vais le mettre genre... Bon, je peux faire des sections comme ça, tiens. Donc, on va faire ça pour l'instant. Bim! Cool. Et donc ça, je sais que c'est de l'acier. Ça, je ne sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce que sont les autres. Apparemment, les plus grosses sont du plastacier. Donc, je peux peut-être tester. Ça, c'est quelque chose qu'il me faut. Là, je vois qu'il y en a pas mal. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir des couloirs qui mènent juste à ces endroits-là. Mais ouais, ça a l'air d'être assez gros. Ça peut être du plastacier. Bon, on va tenter. Bon, j'ai l'impression que le métal n'est vraiment plus un problème. Vous voyez que là, déjà, j'en ai 700. Et là, j'en ai combien déjà en stock? 920 que j'ai récolté grâce à ça. Donc, bon, on est assez tranquille là niveau métal. Mais ceci dit, c'est vraiment cool cette foreuse. Donc là, je sais que c'est de l'acier. Une fois que j'aurai fini ça, je pense que j'abandonnerai ça et j'irai ailleurs pour voir peut-être si. Alors, c'était quoi? C'est celui-là. Peut-être que c'est du plastacier. Parce que je me dis, là, il est peut-être temps de commencer à le faire ce vaisseau. Tiens, j'ai déjà le réacteur d'ailleurs qui est. Oula! Mais ah non, le ré. Je comprends pas comment il marche l'armature. Mais bon, 150 de plastacier il me faut. Et du plastacier, je crois que j'en ai, mais j'en ai rien. Non, peut-être que j'en ai pas du tout en fait. Donc on verra. C'est pas tout de suite que je vais pouvoir partir. Là, waouh! Oh, je sais même pas si j'ai assez de lits pour vous tous. Hein, donc vous allez peut-être devoir vous serrer, mais bon. Vous avez des trucs à faire chez nous, donc vous serez content quand même. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Qu'est-ce qui tire là? Waouh! Oh, ah, c'est bien. Je suis en train de me dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc bon. À part ça, bon, bah, c'est. Voilà, la vie poursuit son cours. On a comment dire, des chambres en plus qui vont faire leur apparition ici. Et je sais pas si je vais en avoir besoin, mais je préfère être sûr. C'est quoi? C'est des dalles que j'ai. Hein. Oh non, pas une infestation! Bon, bah on va réveiller tout le monde. Et on va y aller, mais comme des psychopathes. J'hésite. Non, 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 Alexandros, non. C'est mort. Pas en intérieur comme ça. Je vais même ramener ceux qui sont encore à corps. En fait, je ramène tout le monde, sauf... sauf Floyd Dark, qui ne combat pas. Et sauf Alexandros, qui a une arme de malade. Ok. Cette fois-ci, par contre, on va les démonter. Vous vous souvenez que la dernière fois, c'était limite, mais alors là, on est 9. Non, même pas, on est... Si, c'est ça, on est 9. Je peux pas... Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, vous allez prendre trop cher! Get wrecked! Ouais, Vivien, toi, tu t'es fait toucher par un de nous, hein, je crois. Santé, taillade. Ah non, j'ai rien dit. Ok, parfait, les gars, vous allez me démonter cette connerie-là. Ah ouais, alors vous deux, par contre, vous êtes...
Voilà. Eh bien, c'était parfait, ça. Efficace. Alexandros, tiens, finis-moi ça. Stack, nickel. Bon, la chambre de Fairway est un massacre, mais ça a été ultra bien géré. Bon, Vivien, il a pris cher quand même. Ah, mais en fait, ouais, non, non, il y en a plein qui ont pris cher. Non, c'est pas particulièrement bien passé en fait. Kenzaro pionce, donc du coup, il va s'occuper de personne. Est-ce qu'il a besoin de s'occuper de quelqu'un absolument? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'était particulier. Je me demande si là, peut-être dans la cuisine, ça vaut le coup de mettre un truc, un carrelage antibactérien. On m'a dit que ça faisait quelque chose et j'avais pas l'argent pour à l'époque, mais maintenant, faudrait un neutre en termes d'apparence, long à construire. On va voir. Même dans le frigo, ça pourrait être utile, mais en fait, on s'en sort plutôt bien, donc j'ai l'impression que ça va. Oh, il y a de la viande de méga araignée. Oh! Miam, peut-être? Ouais. Pour l'heure, il faut qu'on s'occupe de ça. Eclipse, c'est pas grave parce que là, je produis plus d'énergie que ce que je dépense, donc c'est nickel. Bon, moi, je suis plutôt satisfait de, bon, de la remontée, à part que bon, Tartine est morte. Hein. Ça, vraiment, j'ai en travers de la gorge quand même. Hein. Bien comme il faut. Mais bon, ça fait partie du jeu et. Autant quand c'est moi qui ne comprenais pas bien le jeu. Bon, même si là j'étais surpris qu'il y ait des gars qui sortent, mais admettons. Quand c'est moi qui ne comprends pas le jeu, je recharge. Autant là, bah voilà, j'ai fait une. Enfin, ça fait partie du jeu, donc. Donc tant pis, j'ai perdu Toubi et Tartine. Ouh, il y a une planque intéressante. Pas tiens d'ailleurs, mais c'est quoi toutes ces planques là? Il y a quoi? Tir, neutronaire, non. Ça, c'est des trucs pas mal. Uranium, argent. Feuille de smoke leaf, ah ouais, faut voir. Moi, je veux vraiment du plastil, enfin du plastacier, c'est vraiment ça que je veux. Et je ne trouve pas de moyen d'en avoir facilement, donc ça m'embête un peu, mais faudra trouver un moyen parce que globalement, c'est ça qui me bloque si je veux vraiment progresser. C'est un peu dommage. Donc, il va falloir que je trouve quelque chose. Et d'ailleurs, visiblement, je me suis débarrassé de trop de tissu, maintenant j'en ai plus. Génial. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose par ici, et malheureusement, ça c'est toujours de l'acier, c'est pas du plastacier. Donc il va falloir que je trouve un autre truc. Je vais peut-être essayer celui-là, celui-là. Je vais en essayer à chaque fois un par un, et puis au fur et à mesure, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut que ce soit relié à mon réseau d'énergie. Donc c'est facile là, par contre, si je veux commencer à miner par ici, ça va être beaucoup plus compliqué. Oh, regardez, plastacier! Ça y est, j'ai trouvé une veine de plastacier. Donc, je vais pouvoir commencer à faire des trucs cool. Genre l'armature de vaisseau. Alors, je vais quand même regarder une vidéo ou un tuto ou quelque chose pour vérifier que je fasse pas de bêtises avec ça. Parce que. Mais ceci dit, ça me semble être un bon endroit pour ça. Quoique. Sinon, là. Je sais pas, je me dis là, c'est pas mal parce que ça fait un peu partie de ma base. D'ailleurs, faudrait. Enfin, ça pourrait être intéressant que je le ferme, ça. Là, j'ai de la place, sinon. Ouais, là, c'est peut-être mieux. Je fais un lieu un petit peu plus dégagé, mais ça peut être cool. Mais c'est pas mal. Oh yes, on commence à avoir du plastacier. Ça, c'est vraiment cool. Ah ouais, ça, du coup, ce sera pour le prochain épisode. La construction du vaisseau et tout. Sachant que le dernier truc dont j'ai besoin pour le vaisseau, vous voyez, je suis déjà quasiment à la moitié. Donc, en gros, le temps que j'ai assez de ressources pour construire les autres, j'aurai débloqué ça. Et ouais, à ce rythme-là, c'est. Bon, je dirais pas c'est bientôt fini, mais une fois qu'on aura un vaisseau, je crois que c'est la fin du jeu tel qu'il est prévu en tout cas. Donc ça peut être assez cool comme fin, plutôt que de juste s'arrêter en mode bon bah voilà, je fais le tour du jeu. Non, de s'arrêter en mode bon bah ça y est les gars, on repart, on rentre à la maison, sans Tartine et sans Toubi, mais on repart à la maison quand même. Ça pourrait être cool comme fin, je trouve. Donc bon, c'est pas pour tout de suite, de toute façon, mais c'est pour bientôt, et j'ai hâte d'avoir bah, de continuer un peu l'aventure jusqu'à ce moment-là. Voilà, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, plein de rebondissements, hein, et la base a l'air de quelque chose, je suis assez content, et j'ai hâte qu'on continue ça dans le prochain épisode d'ici quelques jours. Allez, à très bientôt, bye bye!